Bonsoir les filles. Bonsoir William. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec William Carnimola, que je ne vous présente plus, n'est-ce pas? Nous allons répondre ce soir, William, à la question de Valérie qui a 28 ans. D'accord. Et Valérie veut savoir, elle veut avoir des trucs pour changer son look. Ah. Donc est-ce qu'il y a une démarche à suivre? Est-ce que... Bah oui, en fait, il faut... bosser. Bosser non, sur son image? Non, il faut pas avoir peur d'essayer. D'accord. Parce que le look, en fait, je, par exemple, si j'habille une actrice pour le Festival de Cannes, on va dire une robe. Si je sais quelle est la robe qu'elle doit porter, c'est pas parce que je suis styliste et que j'ai la science infuse, c'est parce qu'on en a essayé 250 autres et qu'il n'y en a pas une de mieux. Ou, voilà. Donc c'est comme ça qu'on arrive à trouver la bonne robe. Donc il n'y a pas de secret, hein. Il faut essayer, faire des essayages. De choses qu'on n'a pas l'habitude de porter. De choses qu'on n'a pas l'habitude de porter. C'est ce que je dis toujours. De choses qu'on n'aime pas porter forcément. Parce que moi j'ai souvent cette réponse, ah non, j'aime pas ça. Et quand je dis, bah, tu as déjà essayé, tu... Non, j'ai jamais porté. Bon, bah, alors comment tu sais? Voilà, donc il ne faut pas avoir peur ça. Et puis il ne faut pas avoir peur de se regarder. Regarder dans un miroir, essayer de voir pour voir ce qui va pas, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. D'aimer son image, tu crois? Oui, bah, c'est surtout d'essayer de... Parce que souvent les filles qui ont des problèmes, par exemple, je sais pas, une fille qui a eu trop forte poitrine et qui va avoir un problème avec ça, elle va se concentrer sur sa poitrine, mais elle va complètement oublier le reste. Donc oui, c'est bien de connaître ses défauts et d'essayer de les camoufler, mais il faut surtout pas oublier ses atouts. Donc le mot d'ordre, c'est d'essayer tout. Ouais, exactement. Voilà. Souvent je dis... De ne pas avoir des couleurs. Ouais, vous faites une journée, vous essayez, parce que c'est comme ça qu'on a des surprises et qu'on voit. Et c'est comme ça que je fais dans mon métier, que ce soit pour habiller des actrices ou pour des séries de mode, où on passe des journées à faire, ça s'appelle des journées de stylisme. Bien. Voilà. Eh bien les filles, voilà la réponse à vos questions. Valérie, j'espère que tu as bien noté toutes les informations précieuses de William. Merci beaucoup William. De rien. N'oubliez pas de m'envoyer vos questions sur www.secretdefille.tv et bien évidemment la page fan en message privé. Des bisous, ciao.